Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo sur LoL. Donc comme vous voyez dans le titre, comment faire le Drake au niveau 2, donc dans la nouvelle jungle, grâce à Panthéon, grâce à un petit, comment dire, un petit cheese qu'il y a pour le moment. Et je viens de le tester et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc au niveau des runes, ça va apparaître ici à gauche, et au niveau des maîtrises, je vais vous les mettre à droite, les maîtrises en tout cas que je conseille pour réussir à faire cette technique. Donc dans un premier temps, il faut que ça se fasse du côté de la blue side, red side pardon, de ce côté-ci où je suis allé. Bon, normalement je dois commencer là, mais bon c'est pas grave, je me suis mis en partie personnalisée. Vous commencez avec votre Q spell et vous allez faire le bleu avec l'aide de votre bot lane pour bien faire. Donc moi j'en ai pas, mais je vais en faire une. Enfin je vais le faire pour vous montrer. Donc ce qui, enfin comment ça se passe la technique. Tout simplement vous faites votre bleu, vous pouvez le smite et tout ça, on s'en fout. Et regardez ici, il y a le fameux passif de Panthéon qui permet de bloquer les attaques. Et alors on va l'utiliser pour taper le Drake. Donc on bloque déjà là pas mal de trucs, donc on prend pas trop de dégâts, c'est vachement bien. Et alors ensuite, par contre, je vais baisser le son. Pour moi, ça a beaucoup trop fort. Donc, le principe, c'est que voilà, vous avez quand même toujours pas mal de vie. On va prendre notre Z. Et alors là, on va se retrouver avec 15% de CDR et pas mal d'attaque speed. Le but est, vous faites ça, il va vous bump. La première attaque, vous la bloquez. Voilà. On charge le truc. On met un petit coup de Z pour bloquer. Un coup, il nous tape, on met un coup de A et on charge notre passif. Donc là, par exemple, j'ai mal timé le truc. Donc là, on fait un petit coup de Z, donc ça refait le passif. On peut jouer le smite, c'est pas grave. En fait, faut bien timer. 2, 3, on time, tac, on le met. Donc, vous pouvez voir, on bloque quand même pas mal de coups. Donc c'est ça qui en fait qui nous permet. Donc voilà, à chaque fois que en fait on reset le passif, il nous fait tape pas du tout. Donc du coup ça nous permet de bloquer grâce à notre passif plus au passif du Z. Et hop, voilà, au niveau 2, votre lane a le dragon à 3 minutes 40, donc vous avez pris un peu de retard malheureusement. Mais un boost pareil en fait, ça vous permet de faire énormément de choses en plus dans la game. Donc 8% de dégâts, 8% de puissance en plus, c'est pas négligeable. Et après, ben, vous pouvez toujours le faire en solo, hein. Plus vous allez augmenter dans la partie, plus ça va être facile. Là c'était pour vous montrer au niveau 2, mais franchement c'est faisable à tous les niveaux. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Capitaine Flamme. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao ciao!